Attention, nous, on peut. Bonjour, Sébastien Delavoux, animateur du collectif CGT des 10. Les pompiers sont dans la rue aujourd'hui à l'appel de la CGT et de FA pour dénoncer les sous-effectifs, le manque de moyens dans la sécurité civile, avec des délais de plus en plus importants et très clairement une baisse du service rendu à la population. Il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur depuis 19 ans, une surcotisation, le fait que les pompiers cotisent sans avoir de retour sur cette cotisation et on demande à sa cessation. Aujourd'hui, on nous a dit que le président de la République annoncerait la position du gouvernement pour le maintien ou la suppression de cette surcotisation. Donc il faudra encore attendre demain pour savoir si cette revendication est satisfaite. Mais on a obtenu l'ouverture d'un chantier sur la sécurité civile à la française qui aujourd'hui, très clairement, est en déliquescence. L'obligation vaccinale est en vigueur depuis le 15 septembre, comme pour les personnels soignants. Oui, aujourd'hui, il y a une portion relativement faible de gens qui n'ont pas encore la vaccination, qui ont pris des dispositions provisoires. Ils sont en arrêt maladie, ils sont en disponibilité. Et il y a peut-être effectivement des gens qui réfléchissent à leur appartenance à la corporation. Mais pour les professionnels, ça concerne aujourd'hui 160 personnes à peu près. Pour les sapeurs-pompiers volontaires qui exercent cette activité en plus de leur travail, ils sont plus nombreux, mais ça a aussi moins d'impact dans leur vie en termes de rémunération. On s'est souvent senti déconsidéré et on a eu de vraies difficultés à être entendu sur les problématiques de sous-effectifs, de manque de moyens. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, le temps moyen pour arriver en intervention, il a augmenté de 2 minutes en moyenne depuis 8 ans. Ça veut dire que en rural, on a des délais qui sont vraiment inadmissibles à certains endroits. Eh bien, on espère que l'annonce pour la surcotisation se concrétisera demain avec sa cessation totale au 1er janvier. Et aussi, la sécurité civile, c'est la garantie de tous face au risque de la vie. On a besoin que partout sur le territoire national, les gens ils aient la certitude que les pompiers viendront dans des délais acceptables. Sorti d'école, je voulais aller.